Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer l'introduction de Honky Tonk Woman des Rolling Stones. Voilà, un morceau qui m'a été demandé la semaine dernière, donc là je vais le faire sous format de riff, voilà, parce qu'on m'a juste demandé l'intro. D'ailleurs, si vous avez des riffs à me proposer, c'est toujours intéressant, sachant que vous serez forcément servi beaucoup plus rapidement, étant donné que ça me prend quand même beaucoup moins de temps. Voilà, allez, allons-y! Pour cette intro, par contre, nous n'allons pas avoir le choix, nous allons être obligés d'accorder notre guitare en open de sol. Donc l'open de sol, c'est quoi? C'est pas bien compliqué. On va mettre la corde de mi grave en ré, la corde de la en sol, corde de ré en ré, corde de sol en sol, corde de si en si, et corde de mi en ré. Donc ça nous fait, voilà, tout ça. C'est joli comme tout. Nous allons commencer en jouant un sol. Le sol, ça va pas être compliqué dans cette configuration-là. On va avoir la corde de la à vide, la corde de ré à vide et la corde de sol à vide. Donc là, je vous donne les noms avec l'accordage standard, bien sûr, pour qu'on puisse s'y retrouver. On pourrait dire aussi 5e, 4e et 3e corde, qu'on va taper comme ceci. Voilà, on va faire tout ça. Donc on commence avec une croche suivie d'une noire, un collet. On coupe, ensuite on va mettre deux croches, on coupe entre chaque croche et on recommence. À la fin de la deuxième fois, on va venir faire le petit plan. Donc pour le petit plan, on va poser notre troisième doigt sur la troisième case de la corde de si et le deuxième doigt sur la deuxième case de la corde de sol. Là, je vais taper la corde de sol et la corde de si, je vais faire un bend et je coupe le son comme ceci. Je garde en l'air, je retape. Hein. Donc quand on va redescendre, quand je retape, d'un coup sec. Je tape ensuite ma corde de sol à vide avec ma corde de si où j'ai toujours mon troisième doigt. Tenir le troisième doigt va rester jusqu'à la fin. Je repose mon deuxième doigt sur la deuxième case de la corde de sol. Je refais à vide. Ici, deuxième doigt sur la corde de sol au niveau de la deuxième case. Je bend d'un ton, je redescends. Je prends corde de sol à vide, toujours avec ma corde de si, bien sûr. J'irai ensuite poser mon deuxième doigt sur la deuxième case de la corde de ré, toujours en tapant mon si. Donc, je reviens. Corde de sol à vide avec ma corde de si. Je repose mon deuxième doigt sur la deuxième case de la corde de sol. Et je tape deux fois à vide. Voilà. Vous remarquerez que j'ai joué avec les doigts. Voilà, c'est simple. En fait, quand j'écoute le morceau, j'ai plus l'impression qu'il joue avec les doigts. D'ailleurs, j'ai essayé avec le médiator, ça rend pas terrible, terrible. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez bien sûr commenter cette vidéo et bien sûr la partager. Ça me fait toujours très plaisir. Pensez à me proposer des riffs, voilà. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt.